Bonjour à tous. Bah, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit projet sur lequel je suis en train de travailler, qui est MPimation, qui est de l'automatisation pour MicroPython. En fait, vous avez tous certainement déjà eu l'occasion de rencontrer ces boîtiers DIN avec leur embase, leur face et les différents éléments qui la composent. Le problème de ces boîtiers, c'est qu'ils sont vides. Alors, chez MC Hobby, je me suis dit qu'on pourrait s'amuser à faire un petit projet avec quelques cartes pour pouvoir avoir des cartes de fond de panier et où on pourrait commencer à customiser ce type de boîtier. Donc, le but étant bien évidemment de jouer avec MicroPython. Donc, si on regarde bien l'intérieur du boîtier, on voit qu'il y a un emplacement de fond de boîtier ici, qu'il y a un deuxième étage, on va essayer de le rapprocher ici au fond et là au fond. Donc la première chose que j'ai faite, c'est dessiner une carte microcontrôleur qui vient se glisser sur le côté. Et comme on peut voir, elle vient parfaitement se mettre en place. Donc il a fallu trouver des connecteurs adaptés pour pouvoir placer la carte dedans. Alors le microcontrôleur pour le moment, c'est une PB stick. Donc j'ai choisi la version no USB. Voilà, que l'on pourra placer à l'envers. Voilà, donc elle viendra se souder, on aura encore accès au port à la carte SD. Et par-dessous, si on en avait vraiment besoin, on a accès au port par le trou au port USB. Donc on pourrait venir avec des contacts pogo pin. Bon, ce n'est pas tout, ce type de carte se programme en serial. Et si vous faites bien attention, il y a ici toute une petite volée de petits contacts. Donc il y a un contact boot 0 pour pouvoir l'activer. Et alors on retrouve respectivement la masse, RXTX, et alors un contact S24. Donc en fait, il y a moyen d'envoyer des informations rien qu'en venant avec une pince. Voilà. Ces contacts, on va mettre un peu plus de lumière. Hop. Parce que ça manque tellement d'éclairage. Voilà. Donc, ces contacts sont disponibles, voilà, ici. Juste en dessous du rebord. Et alors, on voit aussi des rangées de contacts. C'est parce que j'ai déjà prévu les emplacements pour les futures cartes à venir mettre juste en dessous du panneau. Mais bon, il faut bien commencer le développement quelque part. Pour le moment, c'est avec la PIB stick, avec 6 lignes de données. Donc on a un minibus qui reprend 6 lignes de data, RXTX, 5 volts, 12 volts, la masse, 3 volts 3, et alors l'I2C, hein, parce qu'avec l'I2C, on fait énormément de choses. Alors ça, c'est la carte que l'on retrouve, la carte microcontrôleur, et j'ai déjà prédessiné une carte de fond de panier avec un connecteur à angle droit. Donc, cette carte-ci est un prototype. Donc, le but, c'est de pouvoir venir l'enficher sur le côté, comme ceci. Et la mettre en place sur le connecteur, voilà, qu'on voit ici, par transparence. Voilà. Et donc, une fois enfiché, on aura accès, en fait, à toute une surface de prototypage. Donc, on pourra aussi s'amuser, voilà, s'amuser sur un plan de travail, parce que bon, le but, c'est que ça puisse tenir tout seul. On a ici deux régulateurs possibles. Donc on vient d'un plus 12 volts sur le bornier, le bornier que j'ai fait en sorte de pouvoir aligner. Donc on a un bornier en haut et la répétition des deux broches pour chaque borne, sauf celles-ci qui sont prévues pour du plus 12 volts. En fait, plus 12 volts, c'est la tension maximale. Donc on a le choix entre deux types de connecteurs régulateurs Polulu vers du 5 volts. Donc par défaut, c'est ce régulateur-ci qui est actif. Il sera documenté, il sera sur la documentation. Il y a ici un emplacement pour placer un régulateur 3.3 volts si vous en avez besoin. La plupart des MCU sont capables d'accepter du plus 5 volts, donc il n'y a
il n'y a pas vraiment de nécessité de modifier, de rajouter un régulateur 3.3 volts. Et les différents contacts du bus sont disponibles ici. Que dire encore ? Oui, ça sont les jumpers de configuration avec la documentation de comment sélectionner un régulateur plutôt qu'un autre. Oui, ici. Donc vous voyez ici qu'il y avait pour les hauts de panier, il y avait deux connecteurs tout près. Alors, je vais vous montrer comment ça va marcher plus tard. Donc je retirerai ma PIB stick. Les fonds de panier seront soudés de façon définitive. Et comme c'est prévu, la carte vient juste s'insérer dessus. Donc les cartes de haut de panier auront des pastilles qu'il n'y aura plus qu'à souder pour pouvoir reprendre les différents contacts. Et alors on aura une belle surface de prototypage en haut de panier. Alors ce projet, il a quand même une petite histoire. Parce que à la base, je voulais pouvoir utiliser un autre produit que je trouvais vraiment très bien. Que je vais vous présenter ici. Qui est un module relais tout prêt à l'emploi. Donc le but était de pouvoir venir placer le module d'automation ici à côté avec un écran LCD en face et un petit joystick pour pouvoir commander les options. Et alors avoir un module 8 relais 220 volts que l'on peut commander. Alors c'est une technologie propriétaire. Mais ils n'ont pas cherché bien loin, donc j'ai été reprendre les références des composants, j'ai fait un peu de reverse engineering et j'ai créé le pilote pour pouvoir le commander. Un pilote MicroPython. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc en fait, il fonctionne déjà avec une PIB stick, un adaptateur. Et j'ai eu la chance d'avoir de l'aide de Amphenol dans ce projet pour pouvoir identifier les fameux connecteurs utilisés sur cette carte, parce que évidemment ils n'ont pas des connecteurs standards, c'est du 1.27 et c'est vraiment un système un peu bizarre. Donc j'ai pu avoir du prototype de connecteur chez Amphenol qui a bien voulu nous aider dans ce projet. Merci Amphenol. Et donc bientôt on aura de nouvelles solutions MicroPython plutôt orientées vers la réalisation de projets et l'automatisation. Donc voilà, ça c'est le petit projet MPimation qui avance bien. À tout bientôt chez MC Hobby.